Alors, coucou tout le monde, je viens faire le tirage de la semaine, donc tirage France du 18 au 24 janvier, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Donc, je vais commencer avec le Just Be, voilà, je vous mets sur les cartes, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine du 18 au 24 janvier, s'il vous plaît? Alors, on a bûcher, donc sacrifice, défi et refus. Donc, on va avoir affaire à un défi, d'accord, cette semaine. Hein, et il va falloir se sacrifier. Bon, alors, certainement, peut-être, le confinement incomplet, d'accord. Mais on va voir. Alors, voilà. Ce que je fais, c'est ça, parce qu'on fait passer, conseil. Vous savez comment ça marche maintenant? Il y en a deux. Alors, voilà. Alors, pour ceux qui disent règle ta caméra, ben moi j'y peux absolument rien. C'est comme ça, d'accord? Je peux rien faire d'autre. Alors, les conseils. Alors, du 18 au 24 janvier pour la France. Comme ça, peut-être que vous voyez mieux. Alors, le futur, hein, donc très proche. Hein. Alors, hop, et, bon, celle-là, elle voulait venir, hop, voilà. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Donc là, je pense que vous voyez bien, hein, vous voyez les quatre cartes, voilà. Alors, la première, on a la lanterne, donc guidance, abri, chaleur, donc vous voyez, c'est ce que je pense, hein. Le défi, c'est ça, hein. D'accord? Bon, vous savez, de toute façon, il faudra se mettre à l'abri. On a la main. Donc, l'ami, aider, atteindre, objectif. Donc ça, vous voyez de qui on veut parler, hein, voilà. Un ami qui va nous mettre à l'abri le temps d'atteindre ses objectifs. Je pense que c'est ça, son objectif, vous savez ce que c'est. On a la clé, secret, révélation, nouvelle et solution. D'accord? Donc, les secrets vont être révélés. Il va y avoir beaucoup de révélations, d'accord? De nouvelles. Hein. Et on a le feu, le fou. Donc, c'est l'aventure, les réflexions, l'incertitude. Donc, moi, c'est le passé présent ici, d'accord? Il faut bien comprendre ça. Hein. Donc, on va vous mettre à l'abri, d'accord? Le temps que une personne, un ami qui vient à notre aide, à notre rescousse, d'accord, atteint ses objectifs. Pour atteindre ses objectifs, il va dévoiler des secrets, il va faire beaucoup de révélations, d'accord, et c'est la seule solution, même si ça vous paraît un peu fou, d'accord. Voilà, les conseils. On a le sorcier, hein, vous voyez, l'homme, l'ami proche, d'accord, et on a le soleil, donc, voilà, il va réussir, d'accord? Le soleil, c'est la réussite, d'accord? On a l'abondance et tout ça, c'est pour un meilleur monde, voilà. Le futur, proche, hein, d'accord? Alors, on a le gui, c'est l'affection, la romance et le cadeau, ça va vraiment être un cadeau pour nous. Voilà, on a le balai, il faut absolument nettoyer pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie, on n'a pas le choix. D'accord? Et il faut aussi beaucoup de volonté. Mais rien n'arrêtera ce qui est en cours. Vous le savez, on vous le dit souvent. Alors, on a le pain, la subsistance, le répit, la nourriture. Bon, ça va nous apporter un peu de répit. On a le grimoire, donc savoir, tradition, amélioration personnelle. C'est pour nous hein, qui fait ça, d'accord? C'est vraiment pour nous sauver de l'or, hein, d'accord? Et on a l'amour, l'union et le chagrin. Donc, il fait tout ça par amour, d'accord? Bon, ça va provoquer beaucoup de chagrin pour certains, mais ça, je l'ai déjà dit, d'accord? Le nettoyage va être très compliqué. Mais vous avez besoin, vous voyez, avec le grimoire, vous avez besoin de savoir des choses, d'accord? Pour que vous puissiez renaître, que vous pouvez revivre
normalement. Il y a des choses à apprendre. Ça va être très compliqué, très 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 compliqué. Donc, commencez. Même pour les endormis, il n'est pas trop tard. Ça arrive. Mais commencez déjà par vous y préparer. Donc, on a la ville. Donc là, c'est pour la France. Hein. J'ai demandé, d'accord, du 18 au 24 en France. Donc, on va apprendre quelque chose par rapport au commerce. Hein. Alors, il y a le retour. C'est pour repartir à zéro. Alors, que pouvez-vous nous dire pour la semaine du 18 janvier au 24 janvier? Qu'est-ce qui va se passer en France, s'il vous plaît? Donc, pour moi, ça va commencer là-bas, hein, aux États-Unis. Nous, ça va venir après. Mais on va apprendre des choses déjà. Donc, que pouvez-vous nous dire pour la semaine du 18 janvier au 24 janvier, s'il vous plaît? En France. Qu'est-ce qui va se passer en France, s'il vous plaît? Du 18 au 24 janvier. Qu'est-ce qui va se passer en France? Bon, ça va être la tempête. On va s'agiter. Vous voyez, on va être perturbé. Ça, c'est normal. C'est par rapport à ce qu'on va apprendre. On va se déchaîner. On a la femme âgée, 60 ans et plus. Allez. On va certainement apprendre, femme âgée, ça peut être aussi sur les personnes âgées, hein, ce qu'ils ont fait aux personnes âgées. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine du 18 au 24 janvier, s'il vous plaît? Bon, on a l'Océanie, j'aurais dû enlever les continents, tant pis. Voilà. Bon, il va y avoir énormément de larmes, d'accord? Avec l'eau, hein. En tout cas, on va nous donner quelque chose. Donc, nous donner quelque chose, c'était, comment dire, des solutions, des révélations, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Bon. Vous voyez, il y a le danger, d'accord? Il y a l'addiction, la dépendance. Donc, vous allez apprendre que, voilà, ils nous ont mis en danger, tout ça, pour perdre le contrôle de notre vie. D'accord? Voilà. On a l'emprisonnement aussi. Donc, on va apprendre des gens qui sont emprisonnés. Et la coccinelle. Donc, ça va nous amener de la joie et du bonheur. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la semaine du 18 janvier au 24 janvier, s'il vous plaît? Bon, voilà. En fait, si vous voulez, les personnes qui nous ont mis en danger, qui ont voulu qu'on perde le contrôle de notre vie, vont être emprisonnées. D'accord? Ça va être une bonne nouvelle pour nous parce qu'ils vont récolter, voilà, ce qu'ils ont semé. Alors, voilà, vous voyez, on nous vient vraiment en aide cette semaine. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la semaine du 18 au 24? Alors, regardez, on a le printemps, d'accord? Donc, c'est la jeunesse. Hein, la jeunesse, l'espoir, voilà. Le changement, rapide et positif, voilà. On va être délivré. Délivré de tous ces gens sataniques. Alors, on va voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire si vous voulez venir? Bon. Voilà, on va apprendre qu'ils ont abusé de notre confiance, d'accord? Qu'ils ont manigancé, hein? Qu'ils nous ont manipulés, qu'ils nous ont trompés, voilà. Alors, on a l'Amérique du Nord, donc je ne sais pas. Voilà, les capacités d'un homme âgé. Hein? Donc, je ne sais pas quel âge a Canard, hein? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas... Alors, oh. Voilà, il y a un jugement, d'accord? Le jugement, hein?
Donc un homme âgé, hein, 60 ans et plus. Ah ben j'ai compris. Bon, il va être jugé. Vous avez compris? Voilà. Il y a les forces de l'ordre. Donc ça, c'est les forces de l'ordre vraiment en général. On a l'Antarctique et alors, il y a voilà, un homme âgé qui va être jugé, d'accord, par rapport à tout ce qui est encore secret. Mais par rapport aux choses cachées. Mais voilà, ça va être dévoilé. Alors maintenant, je vais prendre le tarot des anges. Alors, que pouvez-vous nous dire pour cette semaine, 18 au 24 janvier 2021, pour la France? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la France, s'il vous plaît? La France. Le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant et agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement, d'accord? Le temps presse. Chevalier de feu, je vous mens pas. Hein. Vous avez vu qu'elle a tombé, d'accord? Donc, il est confiant. D'accord? Mais, attention, hein, il va y avoir de l'agitation. Alors, que pouvez-vous nous dire pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021 pour la France, s'il vous plaît, pour la France. Alors, la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, on a quand même le chevalier de feu, d'accord, et la reine de feu, hein. D'accord? Donc ça va chauffer cette semaine. Alors, vous avez vu, hein, avec le chevalier de feu, ça mérite toute votre attention. Faites attention. Alors, que va-t-il se passer pour la France dans la semaine du 18 au 24 janvier 2021, s'il vous plaît? Pour la France, 18 au 24. La justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez juste. Soyez fidèles à vos principes. Voilà, d'accord? Donc, suite aux révélations, hein, voilà, il y a beaucoup de monde ici, attention, hein, qui va passer en justice. Alors. Mais ça, de toute façon, il y a déjà beaucoup de monde d'arrêté, hein. Et je pense que vous allez l'apprendre cette semaine. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la semaine du 18 au 24 janvier, s'il vous plaît, les cartes? Bon, alors, il y en a des tombées, je les prends. Alors, le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. D'accord? Donc, le temps presse, hein, vous voyez, parce qu'il y a trop de choses. Voilà. Là, c'est les vaccins, c'est les soucis, c'est les cela, c'est pas possible, d'accord? Voilà. Ensuite, on a le roi d'air, brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vous dis. Il faut arrêter de voir le matériel. Vous avez beau avoir du matériel, si vous êtes privé de liberté, ça n'a rien, c'est rien de bien en fait, ok? Et la dernière, on a le 9 d'eau. Vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Voilà. Donc, on va être délivré de certaines choses déjà cette semaine en France. Voilà. Je reviens à vous faire un autre tirage. Là, on va faire le monde quand même, hein, voilà. Donc, on va voir. Voilà, voilà. Donc, tout ça, ben, c'est pour tout le monde, hein. Vous avez bien compris que c'est pour la France. Donc, en fait, c'est la France, pour moi, c'est maintenant... Ah, j'ai oublié de vous tirer quelques cartes de départ de l'intuition. La France, c'est, pour moi, c'est l'Union Européenne, hein. Alors, on a...
Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc, il faut suivre vos ressentis, d'accord? On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et on a le positionnement. Voilà, il faut vraiment trouver votre place dans ce monde. Hein. Suivez votre intuition. Hein, et surtout, continuez à vous occuper de votre famille, hein, comme on vous l'a appris. D'accord? Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021, s'il vous plaît? Voilà, alors on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, je crois que c'est un peu flou, mais là, franchement, je ne sais pas. Voilà, ça devrait peut-être aller comme ça. Je ne sais pas comment vous la mettre. Voilà. Donc, vous avez compris, hein. Il faut aussi qu'on prenne sur nous la clarté. Donc, on va vraiment apprendre des choses, hein, voilà. Il faut être lucide pour que tout devienne clair. Et surtout, il faut rester debout. D'accord? Voilà. Bon, et ben voilà, je reviens après. Ah, il y en a encore une. La clé. Reste debout, la solution est là. D'accord? Voilà. Bon, allez, bisous, à tout à l'heure.